lave-toi les oreilles. Alors que je n'aime même pas chez toi là-bas. Je copie pas tes pastoches. Oh là là. Faut que ça file droit, disait-il, et te claquer les doigts. Voilà la belle époque d'après, c'est un prof. Il faudrait apprendre les pas, pas avoir peur des coups bas. Faut faire la danse classique devant ce grand écart, mais quel bâtard. C'est juste moins pire, ou pas mieux. Les profs tremblent de tous leurs membres. Dès que vient le redouté mois de septembre, passer d'instructeur à éducateur, on les forme régime de terreur. Mais en vain, ma belle oreille vous réaxe. Je dis que ce perde du clac. À Paris, faire quelques cordes vocales et gagner des Lexomil au vénéré doudou médical, doudou médical, doudou médical. Les élèves s'emmerdent et les profs rêvent de s'exiler dans des îles tropicales. L'équipe pédagogique nourrie aux anxiolytiques s'arrache les cheveux. Sauf Junio dans les choristes, blague facile, je sais c'est malheureux. Par exemple, pam 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 pam